m'appelle Ishmi Toumi, je suis professeur universitaire à l'Université d'Orléans. Je suis directeur adjoint d'un laboratoire d'imagerie dans le domaine médical au CHR d'Orléans. Et depuis juillet, avec Dr Lespitaille, je suis le directeur de PRIMO. Donc c'est la plateforme de recherche d'innovation médicale mutualisée d'Orléans. Alors la recherche translationnelle, c'est un modèle de recherche qui se situe entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, d'importance capitale, parce que c'est ce qui permet à la recherche fondamentale d'assurer la continuité vers la recherche clinique et vers l'amélioration du traitement et des diagnostics pour les patients. En effet, aujourd'hui, à Orléans, jusqu'au mois de juillet dernier, on avait des laboratoires de recherche fondamentale d'un côté et on avait des cliniciens de l'autre. Et donc, sur cette plateforme, on n'avait pas de continuité de cette recherche fondamentale vers la recherche clinique et le nouveau traitement. D'où l'intérêt de cette plateforme. C'est des projets qui étaient financés par la région au niveau de recherche fondamentale et dont les résultats ont permis de mettre en place une nouvelle méthode de diagnostic de l'arthrose à un stade précoce. Et donc la prochaine étape, nous allons essayer de tester ces logiciels-là sur des patients et donc ça sera fait à l'hôpital.